Et bonjour à tous et à toutes, c'est Poupcorn. Alors on se retrouve pour l'épisode 5 sur le serveur Skyblockcraft. Donc aujourd'hui, petit épisode décoration. Donc j'en ferai pas souvent, hein. Mais là c'est vraiment. Je vais commencer la décoration sur mon île. Donc je voulais vraiment vous montrer ça. Comme d'habitude, les petits changements qui sont passés sur mon île. Alors rien d'important, juste que j'ai fait vraiment un tout petit market assez sympa avec mes meilleurs PNJ. Hein. Donc j'ai de l'efficiency 5 pour 17 émeraudes, mending 22 émeraudes, potion d'XP 5 émeraudes et aussi 3 émeraudes. C'est au cas où celui-là s'est bloqué. D'ailleurs, il est déjà bloqué. Voilà, il est déjà bloqué. Après, ici, 8 citrouilles nous donnent une émeraude. Franchement, mes PNJ sont vraiment assez bien. Ici, un quart d'heure pour implanter tout le champ, j'ai pas eu envie de le faire jusqu'en haut, du coup j'ai fait que le bas, même si ça sert à rien, mais bon. J'ai eu que la motivation de faire le bas. Donc aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, épisode déco, alors sur quel thème? Sur le thème tout simplement asiatique, de toute façon vous l'avez vu dans le titre. Alors j'ai préparé ici toutes les ressources qu'il me fallait, donc il me faut de la terre que j'ai avec l'usine à carottes. Je me suis fait 4 stacks de terre simple, avec un peu d'herbe bah, pour faire pousser tout ça. Donc on va faire une plateforme vraiment de base, hein, basique pour débuter. Après j'ai prévu aussi de la hardened clay pour la construction style chinois et des briques pour pouvoir faire bah, des tout simplement, enfin oui c'est des briques ça, tout simplement pour pouvoir faire des briques, ça a le même nom avec un S. Merci, merci Mojang. Du coup j'ai prévu tout ça. Hein. C'est pour ça que j'ai eu une petite baisse de Skymoness parce que j'ai acheté tout l'argile. J'ai acheté pour 20 SM à peu près. Voilà, donc on prend tout tranquillement dans son inventaire. D'ailleurs, si ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé sur le serveur, il faut voir qu'il y a un nouveau market maintenant. C'est slash AH et un nouveau market bien plus sympa qu'avant. Bien plus sympa qu'avant, pardon. Sauf que maintenant, quand on met quelque chose, eh ben, il y a des frais pour le déposer. Par exemple, je vais aller déposer un stack de bûches que j'ai farmé à l'avance. Ici, sachant que les commandes sont au spawn, hein, elles sont là. Normalement, là c'est le spawn et les commandes sont juste derrière. Donc, par exemple, on veut vendre les bûches. On tape slash AH sell. Le prix donc, de tout ça c'est 80. Et le nombre d'items, bah, c'est tout mon stack entier. Donc c'est 64. Et on va pouvoir voir dans le chat. Il n'y a plus de frais. D'accord, bah, je raconte n'importe quoi. C'est bien. Bon, bah, les frais ont été enlevés alors qu'il y avait les frais avant. Ou alors, ça doit être lors de l'achat. Les items mis en vente, etc. Bon, tant pis. En tout cas, il y a plein de nouvelles fonctionnalités. Hein. Je vous laisserai regarder tout ça. Tranquillement. D'ailleurs, il y a eu plein de décorations sur le spawn. Hein, donc, lui, c'est la tête de Speedy Gonz qui va se faire cuire un poulet. Il y a plein de petits tips comme ça. Là-bas, il y a deux personnes qui se battent, ici aussi, et il y en a un peu partout, donc je vous laisserai visiter tout ça. Alors, bah, on va retourner directement sur notre île, hein, parce qu'on n'est pas parlé, on n'est pas venu pour parler de ça. Alors, pour savoir, je vais faire une petite maison asiatique, et sauf que la maison asiatique, moi je suis vraiment pas décorateur, je suis vraiment assez pas nul en décoration, mais je suis potable. Mais par contre, le style asiatique, c'est vraiment la première fois que je fais, donc je vais reprendre. La maison asiatique de quelqu'un, donc il a fait. Donc tous les liens de sa chaîne sont dans la description. Je me rappelle plus de son nom, hein, mais en tout cas, sachez que c'est pas moi qui l'ai faite. Je vais reprendre quasiment mot pour mot tout ce qu'il va faire, et etc. Donc de toute façon, je vous ferai des ellipses et vous présenterai en gros la maison étape par étape. Mais si vous voulez toute la construction de la maison, allez voir sa vidéo. Elle sera aussi dans la description. Donc tout simplement, on va commencer à faire une petite allée en dirt, donc très simple, hein, parce qu'on veut quand même un peu de naturel, pas trop de briques, etc. Pas plus de planches, on veut vraiment du naturel. Donc on va se mettre un peu plus haut, hein, pour pas avoir tout ce que j'ai fait déjà dans les pattes. Donc très simplement, on va commencer comme ça. D'ailleurs, on va commencer à poser nos premiers blocs d'herbe pour que ça commence à pousser. Voilà, ça je l'ai récupéré dans un slash, dans un kit. Hein, par exemple, lorsqu'on vote, on peut récupérer des kits. Et j'ai eu des blocs de terre. Après, j'ai Silk Touch sur ma pioche. Ça aurait été OK, sauf que j'ai pas de grâce, d'après ce que je me rappelle. Si j'en ai là-bas. J'en ai là-bas, donc de toute façon, j'aurais pu en récupérer. D'ailleurs, là-bas, un petit île au tournant de mon chemin de bateau. De ma course de bateau sur la glace, pardon. Alors, tout simplement, on va commencer à se faire une petite plateforme. Voilà, donc l'épisode. Je vais tout faire en épisode, hein, sauf la construction de la maison. Donc bon, si vous voulez passer, vous pouvez passer de toute façon.
bah, je peux pas vous en empêcher. On va faire une assez grande plateforme quand même, parce que la maison prend assez pas mal de place, et bah, ce qu'on veut, c'est quand même une île vraiment très très belle, et évidemment vraiment très classe. Donc toujours avec l'herbe. L'herbe d'ailleurs que, enfin mon biome, je l'ai remis en biome champignon, parce que bah, l'herbe est bien plus belle comme ça, et je... Pour le biome taïga, je déteste vraiment la couleur de l'herbe, de la canne à sucre, enfin de tout en tout cas. J'ai déjà utilisé un stack de terre, ça va partir vite, donc on va commencer à faire tout l'endroit pour la première maison. Donc du coup, on va faire comme ça. L'épisode sera vraiment peut-être plus court que d'habitude, hein, bah, parce que tout simplement, je vais faire que de la décoration. Je ne vais pas faire quelque chose annexe, pas un petit event ni rien. Il y a des dés à coudre qui sont sur le serveur, hein, donc vous avez juste à faire slash slash DAC, donc comme ça. Voilà, développer. Ah ok, merci. Slash. Toutes les commandes ont changé. Alors, merci pour. Alors, il nous demande. D'accord. Donc slash. Normalement, c'est slash DHC join. Ah, il me semblait qu'avant on pouvait le faire autrement. Donc là, vous avez toutes les arènes. Hein. L'arène 3 ou l'arène 2, je sais plus. De toute façon, vous pouvez regarder. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes décorations. Mais il y en a une en tout cas qui accueille vraiment beaucoup de joueurs. Donc si vous n'êtes pas beaucoup, la faites pas parce que c'est vraiment trop grand. Et quand vous êtes par exemple 4, c'est ça, ça se lance à partir de 4 joueurs. C'est vraiment super long. Donc il faut être à peu près une dizaine. Hein, c'est 12 de toute façon le maximum. Essayez d'être le maximum pour faire cette map là. Donc arène 2 ou 3. Je ne sais pas. Peut-être qu'un jour je vous ferai un petit épisode sur. Enfin, je vous intégrerai à mon épisode. Une petite partie de DAC, mais là pas maintenant. Je voulais vraiment focus que sur la décoration du coup de mon île. Enfin la décoration, on va dire là où on commence à construire. Parce que pour moi là c'était que les usines, donc le moins important. Je sais pas si on pouvait appeler de la construction, mais bon. Là au moins ça va nous permettre de nous développer et commencer franchement à avoir notre petite île à nous. Toujours à faire ça, d'habitude je fais des cercles. Je ferai aussi une cascade, mais là j'ai pas assez de terre, j'avais prévu que 4 stacks. Je ferai ça peut-être en off, etc. Et je vous montrerai mes avancements au fur et à mesure des jours. Enfin, à chaque fois qu'une vidéo sort, je vous montrerai l'avancement sur cette bah, sur le début de mon île. Je ferai donc une cascade hein, avec un petit lac à mon avis. Un petit coin pour pêcher. Toujours pour notre coin de pêche hein, qui est assez. Enfin pour notre canne à pêche qui est vraiment bien. Voilà, je sais pas si on a assez de place, de toute façon il nous reste de la terre, donc on va continuer à grandir. Voilà, tranquillement. Ils sont toujours en train de tous discuter hein, dans le chat. Faut savoir que la semaine, il y a vraiment beaucoup moins de monde. Surtout que là, tout le monde a repris les cours. Avant, on était en semaine décalée hein, des vacances. Donc, il y a vraiment beaucoup de monde. Là, il y a beaucoup moins de monde. On peut voir quand même qu'il n'y a que 18 personnes online. Alors il est exactement 20h15 chez moi, donc en France. Hein. Je sais pas si pour vous, il y en a qui habitent au Québec. Mais en tout cas, ici, il n'y en a que 19 de connectés. D'ailleurs, ça vient de bouger. Est-ce que je rajouterais pas plus d'herbe? J'ai peur de perdre mes blocs. Donc, on va laisser comme ça. De toute façon, ça va s'étendre. Et on va construire la maison directement. Je vais faire une petite ellipse, hein, le temps de faire les bases de la construction. Et je vous retrouve juste après. Et re tout le monde. Du coup, j'ai un tout petit peu avancé la maison. Hein. Déjà, l'herbe commence à bien pousser. C'est vraiment un tout petit rendu. Hein. Je vais faire plein de petits bouts comme ça dans la vidéo pour vous montrer juste l'avancement rapide de la maison. Donc déjà, comment on va faire l'entrée. Donc on peut voir, l'entrée est directement en brique, hein, donc ça annonce un peu la couleur. Les planches de sapin, lard de net clé rouge. Alors comment j'ai eu lard de net clé rouge? J'ai acheté à 20 SM, ça j'ai déjà dit. Mais après comment on fait? Il ne faut pas cuire la clé, on en fait un bloc de 4. Ça nous donne de la clé et après il faut la faire cuire. Donc j'ai déjà utilisé un demi-stack, on verra si j'en ai encore besoin. J'ai fait beaucoup de briques, mais bon, je pense que ça va suffire. Il me reste un peu de hard net clé rouge. Donc voilà, l'entrée sera comme ça, hein, vraiment beaucoup de rouge, beaucoup. Enfin, je trouvais que sa maison, c'est celle qui respectait plus le style asiatique, c'est pour ça que je l'ai prise. Donc voilà, petite avancée, et puis bah, on vous retrouve juste après. Et re tout le monde. Donc on se retrouve, l'armature est finie, comme vous pouvez le voir. Hein. Tout l'intérieur de la maison est fini. Ça, enfin, l'intérieur est un peu petit, mais ce qu'on veut, c'est faire un petit village, hein, comme les petits villages dans vous savez, dans les campagnes un peu paumées, avec plein de champs de carottes aussi. Enfin, plein de champs, on verra, de riz, je pense. On verra ce qu'on fera. Un petit truc assez sympa, une petite campagne asiatique, dont je serais bah, assez content.
Donc là, l'armature est assez simple, hein. Toujours, on décale de 3, des petites fenêtres de 3 avec de l'argile rouge. Ça m'a déjà mangé un stack entier d'argile durcie, mais ça, c'est pas très grave. Franchement, ça se fait assez rapidement. Il me semble que c'est avec la canne à sucre. Donc voilà, la petite maison qui avance vraiment très très bien. J'en suis assez content pour l'instant. Voilà ce que ça donne un peu de dehors. Hein. On verra ça plus tard quand j'aurai agrandi la terre. Bah du coup, j'aurai lorsque il y aura quelque chose d'un peu plus intéressant à regarder. Du coup, la structure a bien avancé, hein, comme on peut voir, toujours les piliers rouges. J'ai juste rajouté des piliers rouges ici et là, donc ici et là. Après, on a rajouté les planches de sapin sur les creux, donc un peu le plafond. Et qu'est-ce qu'on a fait aussi? Ah oui, sur tous les piliers de stone brick qu'on a fait ici, on a rajouté comme ça, donc un escalier à l'envers, un escalier à l'endroit sur tous les piliers. C'est-à-dire que j'en ai fait vraiment là où il y a de la stone brick, on met, là où il n'y en a pas, on met pas. Par exemple, il y a des coins où il n'y en a pas, donc ici il n'y a pas de pilier en stone brick, on met pas. Par contre, là il y en a, donc on met. Et on met des deux côtés, hein, donc on peut voir ici l'escalier qui dépasse. Je pense que à la fin, je vais aller me refaire un peu de terre, je ferai une petite ellipse pour rajouter un peu de terre autour et voir ce que ça donne au final. Allez, je redis qu'il y a encore quelque chose d'intéressant. A tout de suite. Et re tout le monde. Alors je voulais juste vous montrer. Maintenant le nouveau market. Hein, donc au début de la vidéo, je vous avais montré que j'avais mis 75 bûches en vente. Et maintenant, c'est très simple de savoir comment enfin, on le voit directement dans le chat. G4B2, donc c'est un guide Sky Titan, donc à acheter votre item, donc en l'occurrence ici, mes 64 bûches pour 80$ et l'argent est directement ajouté, donc on n'a plus les livres. Voilà. Après, la maison avance bien, on a mis des boutons autour de chaque fenêtre et là, je m'apprêtais à mettre des escaliers sur les coins comme ça, enfin sur les coins des fenêtres. Et aussi, je suis allé farm. Enfin, je suis allé farm. J'ai récupéré un peu de carottes dans mes coffres et j'ai pris de la terre pour pouvoir faire un tout petit peu le tour de ma maison. Parce que là, on va poser des trucs contre le sol et par souci d'économie ou de très grosse radinité, hein, je sais que je vais poser des escaliers comme ça. Du coup, j'ai fait le tour, mais sans frôler comme ça. Là où il y aura un escalier comme ça, par exemple, bah, je mettrai pas la terre en dessous. Ce qui sera, bah, je gagnerai peut-être à la fin 10 terres, mais c'est déjà ça d'économiser. Ici, j'y ai pas pensé, j'ai commencé, puis après, j'ai recommencé à décaler. Hein. Donc, bon, voilà. Sinon, bah, c'est tout. On a fait aussi les contours en haut avec des demi-dalles pour pouvoir bah, faire le contour tranquillement de la maison. Hein. Donc, de loin, ça donne ceci. Pour l'instant, c'est assez sympa. Après, il y a un toit qui arrive, évidemment, etc. L'intérieur, hein, c'est toujours. Toujours avec mes petits passages pour pouvoir passer, mais maintenant c'est bon, j'ai le contour. Allez, dès qu'il y a quelque chose d'intéressant. J'ai placé des barrières en dessous de tous les escaliers et j'ai commencé le toit. Bah, si vous voulez savoir précisément comment faire le toit, allez voir la chaîne. Du coup, j'ai regardé ces deux mushrooms. Le toit est expliqué, hein, j'ai fait exactement la même. Je changerai un petit peu après. Par contre, il explique dans sa vidéo, là, il fait des fenêtres, sauf que moi, je vais faire des fenêtres un peu plus customisées. Plus personnel puisque ces fenêtres c'est un des seuls points que j'aime pas trop, du coup je vais faire mes propres fenêtres. Après, j'ai fini de compléter la dirt en ayant mis les escaliers en dessous, hein, comme ça rend un rendu bien plus propre. L'herbe a déjà quasiment tout poussé sur cette zone là et puis ça va s'étendre jusque là et ça sera bien mieux. Après, j'agrandirai la plateforme et puis on sera très bien. Ici, c'est un petit escalier pour monter au toit, hein, c'est temporaire. Je redéquille un truc d'intéressant. Et re tout le monde, comme vous pouvez le voir, la maison avance assez bien. Pour vous, c'est assez rapide, mais moi, c'est très long, hein, parce que je suis la vidéo. Et c'est assez galère. Donc, on était sur. D'ailleurs, il y a une dalle qui est tombée ici. On était sur le toit. Hein. Toujours le petit design, comme ça, assez tranquillement. Franchement, très beau, hein, déjà, comme ça. Le toit n'est pas fini, évidemment. On peut voir que ça a assez bien avancé. Hein. Des petits escaliers comme ça. Toujours le petit design avec les escaliers et puis ça comme ça fait vraiment assez beau. Et puis toujours de la hardened clay. D'ailleurs, j'ai refait un peu de provision de la hardened clay. Il m'en restait en bas, mais il m'en restait un demi-stack, je crois. Donc on va voir si je vais tenir. Au pire, j'irai en acheter ou en farm. Je crois que mon usine automatique à canne à sucre, de toute façon, en a produit. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. C'est une petite avancement, mais quand même pas mal. Voilà, à tout de suite.
Et re tout le monde. Bon bah du coup, comme vous pouvez le voir, la maison est finie. Enfin finie, on peut pas dire totalement finie. Il y a toute l'herbe qui a poussé, etc. Toujours pas autour de la maison, je rajoute des petits pots de fleurs, etc. L'intérieur n'est pas fait, ça sera bah, dans la prochaine vidéo du coup. Comme vous avez pu le voir, bah, d'en haut, il y a un petit, comme une sorte de petit clocher, quelque chose comme ça, un truc vraiment très sympa. Donc c'est exactement la même maison que Mushroom. Allez voir sa vidéo. J'ai pas fait les fenêtres parce que moi je veux mettre des vitres, tout simplement. Des vitres peut-être pas rouges pour laisser le contraste avec. Parce que là, enfin, il y a déjà beaucoup de rouge. Donc peut-être que trop de rouge, bah ça fera très moche. Du coup, je pense mettre une autre couleur, on verra. Ici rajouter un plafond pour ne pas qu'on voit. Enfin, un plafond ou juste laisser ça en entrée. Changer le sol aussi parce que là c'est pas assez lumineux. Mettre quelques petits six lanternes, quelque chose comme ça, finir les fenêtres, finir l'entrée, etc. Et puis tout sera fini. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce bleu, à me dire qu'est-ce que tu penses de la maison. Et puis si t'as des conseils de décoration ou même de la couleur des fenêtres, le plancher, etc. Moi, je suis toujours preneur. Hein. Et puis la déco extérieure aussi.